Réunis autour d'un des responsables du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais, les étudiants ont répondu à l'appel du bureau du MIT. Pancarte à la main avec des chants, sous les regards des forces de l'ordre présentes, ils semblent être déterminés. Après le rassemblement, place maintenant à la marche qui devrait les conduire à la présidence de la République. Mais ils ne parviendront pas à leur objectif. Ils se heurtent aux forces de l'ordre bien en place qui les attendaient de pied ferme à la grande entrée de l'université. Les étudiants se retrouvent alors tête à tête avec les corps habillés. Les discussions entre le responsable des hommes en uniforme et celui du MIT n'auront rien donné, puisque dans la foulée, les esprits s'échauffent et une boîte de gaz lacrymogène atterrit pour disperser les étudiants. Après l'échec de cette marche vers la présidence de la République, ils retournent dans l'enceinte de l'université. Pour le premier vice-président du MIT, cette situation n'avait pas lieu d'être, puisque selon lui, le mouvement a rempli toutes les formalités pour effectuer la marche. On a rempli toutes les formalités administratives qui s'imposaient à la marche. La marche n'a pas été interdite. C'est ce matin que les forces de l'ordre sur les lieux, à savoir la gendarmerie et la police, les officiers, je les ai approchés. J'ai dit les grands frères, on a adressé des courriers au ministère de la Sécurité, à la mairie, qu'est-ce qui se passe? Et ils nous ont dit, bon voilà, ils avaient reçu des ordres pour encadrer la manifestation, mais que hier soir, une autre décision est tombée. Cette marche a connu un échec certes, mais pour le MIT, la lutte continue et la base décidera de ce qui en suivra. Je ne suis qu'un messager. C'est la base qui décide. Nous n'avons pas fléchi. Nous avons essayé de nous faire entendre, de vivre voir par le président de la République. Nous allons voir dans quelle mesure nous aurons gain de cause. On a dit aux étudiants que quoi qu'il arrive, on va défendre fidèlement leurs intérêts. Donc nous n'avons pas de mot d'ordre. C'est les camarades étudiants qui ont une plateforme et qu'on doit faire respecter et qu'on doit faire aboutir coûte que coûte. Le président du mouvement n'a pas pu se rendre sur le campus et pour cause, il serait en cachette dans un lieu pour le moment non connu après avoir constaté qu'il était poursuivi depuis sa maison. Le MIT annonce une nouvelle marche pour les prochaines heures. Arriveront-ils à bon port? Voilà la grande question.